votre responsable. À l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'Église territoriale RDC Sud-Est à Goma, nous, serviteurs et enfants dédiés, sommes très heureux de vous accueillir en ce jour béni. En dépit de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région et des turbulences spirituelles que traverse l'Église en Christ à ce moment précis, votre présence parmi nous est à la fois un motif de joie après plusieurs jours d'absence physique et un réconfort pour le peuple dédié qui, aujourd'hui, peut se rassurer du soutien inlassable de notre Seigneur Jésus-Christ à travers l'apostolat. Chers apôtres de Christ, nos cœurs et nos oreilles sont bien disposés à écouter la parole divine que vous nous apportez, car nous voulons expérimenter à travers votre passage la gloire de Dieu, notre Père, et la pureté de l'enseignement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, plusieurs activités à caractère religieux sont prévues afin de partager avec vous des moments inoubliables dans la maison dédiée. Il s'agit donc de la projection diapositive sur le parcours de l'Église néo-apostolique, du jeu concours génie en herbe auquel participera nos jeunes, des scénettes, des poèmes au contexte religieux. Que vive le 10e anniversaire de la RDC Sud-Est, que l'Éternel continue à bénir à jamais son œuvre ainsi que son peuple. Merci de vous sentir chez vous. Karibu kwetu, Difikadilenga, Boye Bolamu, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci, merci, ma soeur. Merci beaucoup, merci. Ok, voilà, c'est gentil. Pouvez-vous me garder? Vous l'avez dit vous-même à travers les mots d'accueil. Nous sommes informés aussi de toutes les conditions sécuritaires ici à Goma. Ndani ya maneno ya mapokezi tumejulishwa na sio kufahamu hali ya usalama hapa Goma. C'est-à-dire vous m'avez prévenu, soyez bref parce que il faut qu'il y ait du temps pour commencer et le temps pour rentrer vite à la maison. Ni kusema mnipatia tayari angalisho ya kusema uwe mfupi kusudi kuwe muda ya kuja kusikiliza na kurudi haraka manyumbani. Soyez rassurés de la visitation de Dieu qui vient auprès de son peuple ici à Goma. Muona hakikisho kwani Mungu amekuja kutembelea taifa lake hapa Goma. C'est Dieu qui vient vous visiter, il vous dit, je connais toutes choses. Il n'y a rien qui se passe à Goma qui me passe par-dessus pour lequel je suis insensible. Mungu ambaye amekuja kutembelea anajua yote ambayo yanapitika hapa Goma na nawaambia hakuna jambo lolote ambalo linaweza kutokea kama yeye Mungu hakusiki nalo. Dieu connaît toutes choses. Mungu anajua mambo yote. Même avant qu'elle arrive, il le savait déjà. Na hata kabla ijakuwa yafika yeye anaijua tayari. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, je ne sais pas à Mabanga ou ailleurs. Kumbukeni ile ambayo niliwaambia sijue kani Mabanga mafasi ingine. Dieu nous promet. Mungu anatuahidi. Même si nos yeux peuvent regarder la vallée de l'ombre de la mort. Hata ijapokuwa macho yetu yanaweza kutazama bonde la kifo. Connaît le courage au-dedans de nous parce qu'il nous soutient et il conduit toutes choses. Ndani mwetu tunajitia nguvu na kusema le seul conseil que je vous donne, shauri moja na watolea, parce que vous avez accepté de vous approcher auprès de Jésus, kwa sababu mmekubali kuweza kumkaribia Yesu, venez et voyez-le. Mje na mtazame. Que Dieu illumine vos cœurs. Mungu angazie mioyo yenu. Pour que vous puissiez bien voir. Kusudi mweze kutazama vizuri. Alors lorsque vous aurez vu que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Wakati mtapoona kwamba ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ne le quittez pas. Usimwache. Restez avec lui. Mubaki pamoja naye. Alors je voudrais synthétiser en trois alphabets. Nimetamani ukiatia kifupi katika mambo matatu ya alfabeti. Venez. Tuje. Voyez, mwone, et restez. Na mubaki. Alors vous direz comme l'apôtre Pierre l'avait dit. Na mutaisema kama vile mtume Petro alisema. À qui d'autre irions-nous? Tutaenda tena wapi kwa nani? C'est toi qui as la parole de vie. Ni wewe ambaye unakuwa na neno la uzima. Alors pour le reste, ile ambayo inabaki, même pour les choses qui dépassent votre entendement. Hata ile ambayo inapitisha akili yenu. Même ce qui vous fait couler les larmes du jour au jour. Hata ile ambayo inawafusha machozi kila siku. Pour lequel vous dites, où est ce Dieu des apôtres? Wakati mnaposema huyu Mungu wa mitume iko wapi? Ce Dieu nous a-t-il
abandonné. C'est Dieu ne nous connaît pas. Je vous rassure comme ambassadeur pour Christ. Que Dieu connaît toutes choses. Et il conduit toutes choses pour votre bien. Vous restez fidèles à lui. Jusqu'au retour de Jésus. J'ai dit, je serai bref, je suis bref. Merci beaucoup pour le mot d'accueil et pour les cantiques d'accueil.